bienvenue au troisième dimanche des dimanches à la pointe. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Hervé Thomas. Oui, c'est bon, ça marche. Voilà, ça marche, voilà. Monsieur Hervé Thomas, donc il va vous présenter, il va parler de la toponymie côtière du Cap Sizun. Et en fait, il a démarré ce travail-là de recherche d'inventaire dans les années 90. Il a commencé par des recherches sur son histoire familiale et puis il s'est intéressé à l'histoire locale de la famille et du territoire où s'est installée la famille, puisque en fait la famille de M. Thomas est originaire du Loc. Voilà, donc je lui laisse la parole. Voilà, alors il y a tellement de personnes que... donc là, la conférence va durer une heure et il y a d'autres personnes qui attendent. On a dû refuser du monde parce que pour les raisons de sécurité, on ne peut pas, la salle est déjà bien pleine. Donc voilà, donc M. Thomas a gentiment accepté de présenter une deuxième fois son intervention. Je vous laisse la parole. J'ai mon micro. Bonjour à tous. Il y a une dizaine de chapitres, je vais en faire cinq sans doute à la première séance. Peut-être qu'il y aura une deuxième, une autre fois, il y aura l'intégralité. Bien, donc c'est la première fois que je fais ça, désolé, je ne suis pas très, très parlant. Mes compétences en breton sont inexistantes, mes compétences sont ailleurs, c'est le montage, l'informatique. Donc depuis des années, ça m'intéresse, les cailloux, l'histoire, voilà. Donc on va essayer de faire un fil conducteur constant. Alors cette affiche, je l'avais créée, donc c'est une photo de 1873, à l'époque il n'y avait pas le phare de la vieille encore. Voilà, petite mise en place. On peut émettre l'idée que la côte de Bretagne est autant fracturée parce qu'elle reçoit de nombreuses vagues violentes qui lui ont donné cette forme spécifique. Donc c'est la mer qui a façonné la côte de cette façon, par étapes, en éliminant toujours les roches les plus fragiles. Le fractal du littoral du Cap Sizun n'est pas un bord. Il n'y a pas de frontière, au sens où les deux matériaux qui se rencontrent n'ont justement pas de bord défini. Le littoral est une espèce de frontière entre ces deux éléments qui n'ont pas de même nature. Entre l'eau et la côte, des interactions se font au fil des marées et modifient de ce fait le lieu que nous pouvons contempler au fil des années. Alors, les noms des lieux, des terres et des côtes ne sont pas éternels. Ils peuvent changer selon l'évolution de la langue du pays. Au Cap Sizun, l'évolution de la langue bretonne vers le français a changé bien des choses. Certaines dénominations de lieux ne sont pas compréhensibles. D'autres le sont qu'à l'aide de dictionnaires écrits sur des textes du passé. D'autres, enfin, sont formés selon les règles aujourd'hui tombées en désuétude. La toponymie nautique est plus fluctuante que la toponymie terrestre. Elle subit des variations rapides dans le temps et dans l'espace. Alors, il arrive souvent de trouver des toponymies côtières autant de noms désignant les mêmes lieux qu'il existe de groupes de gens de mer fréquentant le lieu en question. Alors, pour la petite histoire, dans le passé, quand les marins bretons allaient pêcher hors de leur zone habituelle, ils ne cherchaient généralement pas à se renseigner auprès des gens du pays ou sur les cartes, ils rebaptisaient eux-mêmes le nom qu'ils avaient besoin de nommer. Alors, pour expliquer ce propos, j'ai trouvé un peu par hasard, en préparant cette conférence, que dans les années 1700, donc nos marins du Finistère allaient jusqu'à Terre-Neuve. Alors Terre-Neuve, c'est pas loin du Canada ici.
Et ils ont baptisé certains lieux d'ici, là-bas. Donc sur une carte de 1764, il y a là-bas un coin qui s'appelle Cap de Raz. Il y a aussi les bases du Cap Raz et étonnant aussi le port de Trévarez, le port des Trépassés, enfin la baie des Trépassés. Alors, ils ont fait ça aussi parce que ça ressemble, c'est vrai. Alors maintenant, comme c'est anglais, ça c'est par l'anglais là-bas, ça s'appelle plus le Cap du Raz, mais le Cap Raz. Alors la baie des Trépassés, Trépassé Bay, alors quand on compare notre baie des Trépassés, le leur, c'est très similaire. Il y a même l'étang, la voile, ici aussi. Alors il y a même une île qui s'appelait Audierne. Revenons Cap-Cisin. Alors de tout temps, les noms de rochers m'ont intéressé. En 2017, j'ai commencé à travailler sur les noms de rochers du Loc, puis Primelin et Esquibien. Ensuite, le gros du gâteau, c'était Plogoff, où il m'a fallu au moins 2 ans pour faire ça. J'ai préparé Clédin aussi, sans le finaliser pour le moment. Alors j'ai travaillé avec des locaux, certains présidents de port de toute la zone, et puis donc avec des photos aériennes, on a passé des après-midi constructives à remettre des noms sur des endroits. Donc sur Plogoff, j'ai découpé ça en multitude de zones, et tout ça est accessible sur Internet. Suite à ça, donc, il y a eu des articles de presse, d'abord en local, puis après sur la Cornouaille. Et France 3 était intéressé et sont venus filmer aussi un mois après, donc avec Gaston Raoul et Jean Vichon. Donc il y a une partie en français et une partie en breton. La partie en breton est passée il y a 3 jours sur France 3 dans l'émission Antal Lagan, vendredi. C'est un travail minutieux que s'attelle un habitant de Plogoff, aidé par d'anciens marins et pêcheurs. Il recense chaque endroit, chaque rocher de la côte afin de sauvegarder cette forme de patrimoine qui est la toponymie. Poulmar, c'est l'anse qu'il y a là où les langoustiers venaient pêcher. Là. Ouais. Pour aider Hervé Thomas dans sa recherche toponymique, deux anciens marins, Gaston et Jean, sont venus vérifier avec lui les noms de rochers autour du petit port de Bestré. Rien que sur Plogoff, 450 noms ont été recensés. Pas étonnant, puisque sur certains rochers, on dénombre plusieurs noms différents. Il y a Penascleo, Toultrou Poulmar. Celui qui allait pêcher à la côte, il allait dans tel endroit. Et s'il voulait dire où il avait pêché, il fallait qu'il dise, à 2 mètres près, chaque petit bout de rocher avait un nom. Pour se souvenir des bons coins, en fait Ah oui, je pense, parce que si on lui disait à tout le trou, de quel côté? Il y avait deux, ici, de ce côté-ci. Alors donc, il fallait bien donner un nom à chacun. Hervé Thomas a décidé de sauver la mémoire des pêcheurs du Cap-Cisin. Le but n'est pas d'en faire immédiatement un livre, mais de recueillir cette toponymie dans une base de données avant qu'il ne soit trop tard. L'ambition, c'était de le collecter et de le positionner le plus précis possible sur des photos IGN. Et après, donc, il y a des approximations phonétiques. Il va falloir absolument que je travaille ou faire travailler des linguistes. Mais la plupart des noms sont aisément compréhensibles, comme Fontenaude, la fontaine de la côte, située dans une grotte marine. C'est une source que les marins utilisaient depuis des lustres, puisque dès le XVIIe siècle, disons, cette possibilité de faire de l'eau douce était signalée sur les cartes hollandaises. C'est à Fontenaude qu'EDF voulait construire une centrale nucléaire. Les gens de Plogoff se sont battus pour défendre leur paysage. Aujourd'hui, ils se mobilisent pour préserver un autre trésor, linguistique celui-là, les deux étant intimement liés depuis des siècles. Alors les côtes sont de moins en moins fréquentées par les riverains. Ainsi se perdent d'année en année les noms des pointes, des criques, des trous de pêche, des rochers, des sentiers. Depuis la disparition des derniers à savoir, ce sera maintenant beaucoup plus difficile, voire impossible, d'identifier les noms précis de certains coins.
Alors, comment que j'ai commencé, moi, quand j'étais petit, je me suis retrouvé au loc à la chasse au Bégin Brown. Donc moi et mon frère, on a découvert un petit peu déjà la vie du travail, parce qu'il y avait un peu de sous avec ça. Et donc, au départ, bon, moi, la photo de mon père qui nous a un petit peu indiqué quelles étaient les bonnes algues à cueillir. Donc c'est vrai que rapidement, on était autonome, on allait avec la barcasse sur Penderme en face, qu'on voit ici en aérien. Première fois que j'y suis allé d'ailleurs, comment j'ai appris que ce caillou-là s'appelait comme ça, parce que mon frère et moi, on y allait, et puis il y avait toute une fratrie du loc là qui était déjà en train de cueillir, qui nous ont dit, lorsqu'ils m'ont vu arriver, « Dégage, c'est mon caillou !» Bon alors, c'est ton caillou, bon, rendu à la maison, apparemment c'est son caillou. Non, le caillou est à personne, et comment s'appelle ce caillou? Penderme. Donc là, j'ai appris par la force des choses, ça s'appelle Penderme. Alors, je vais vous parler d'un petit rocher, le 25. Le 25, les deux petites bosses là. Comment expliquer ça? Donc, les toponymies en breton sont souvent imagées comme la langue. Ils désignent aussi bien une forme suggérée qu'une couleur dominante. Ils rappellent parfois une anecdote, évoquent un élément de légende. Et tout est là, en fin de compte. Moi, quand j'étais gamin, quand je voyais ces deux petites roches là, ici, ça me faisait penser à un chameau. D'ailleurs, j'avais demandé à mon père pourquoi on l'appelle pas le garec chameau. Il m'avait dit, à l'époque, quand ils ont nommé ça, il y a plusieurs siècles, il n'y avait pas de chameau ici. Alors, mon père me disait, une photo des années 45, la barquette de son père, il aimait bien passer en... Juste quand les deux rochers commençaient à sortir de l'eau, il aimait bien passer juste au milieu. C'est pour ça que ces deux petits rochers m'ont toujours un élément de légende pour moi. Alors, concernant justement le nom des rochers, alors, on va zoomer sur cet endroit-là. Donc là, c'est le loc, Pointe des Moutons au fond, à côté de Fontanienne. Donc il y a une petite pointe ici qui n'a pas de nom. Mais moi, ça fait des années que je la vois comme ça, avec sa petite pointe. Donc moi, dans ma tête, j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à ça. C'est comme ça que se font les noms de rochers, quoi. Alors comme maintenant, plus personne ne baptise les noms, alors je me suis dit, comment on va le baptiser? Bon, rapace en breton, c'est dur à dire, je ne sais pas faire. Le deuxième, Arskoul, c'est plus simple. Donc on va le baptiser Pen Arskoul, si vous voulez bien. Les perdis, c'est dur à dire aussi. Alors comme on est dans la zone, oui, c'est vrai que comme c'est toujours imagé, donc la pointe Pen Arskoul, elle est là, qu'on vient de nommer. Là, il y a une petite flaque, là, juste à côté. Je vais vous dire, cette petite flaque, ça m'avait intrigué, elle s'appelle Poulenar Kirgerbian, donc la mare où on tuait les petits chats quand il y avait trop de portée. Donc là, à marée basse, il y a toujours une petite flaque qui reste là. Alors comme on est dans l'image, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un géant qui s'est assis là, qu'il a laissé ses traces sur les rochers, en exemple. Voilà le premier chapitre.